Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite histoire extraordinaire d'Elisabeth de Caligny. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Eh bien, tu sais quoi ? On va souhaiter la bonne année. Hein, c'est de rigueur. Oui, non seulement c'est de rigueur, mais c'est encore d'actualité, parce qu'on a jusqu'à la fin du mois. Je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous, une bonne santé, de la joie, de la bonne humeur, et puis des tas de sujets encore que j'ai en tête à vous proposer. Voilà. Merci bien. Et puis moi, à titre personnel, je te souhaite vraiment une bonne santé, et puis une très très longue vie, et puis que tu puisses, tu vois, toujours nous réjouir de tes histoires pendant encore des années, des années, des années. Eh bien, écoute, je te remercie et moi, je te souhaite longue vie sur les ondes. Exactement. Et puis aujourd'hui, eh bien, du coup, tu vas nous parler d'un sujet que tu as intitulé « OVNI, contact, etc. » au Chihuahua. Oui. C'est drôle. C'est pas mal. Alors, je fais une petite dédicace particulière à Dino et à Amel par rapport au Chihuahua. Ils comprendront. D'accord. Chihuahua, c'est pas un cocktail ou un truc comme ça, un peu détonnant ? Moi, c'est un petit chien, un chihuahua. Non ? Non, moi, c'était un cocktail. J'avais 20 ans, je crois que c'est la plus grosse cuite que je me suis jamais pris de ma vie. Un copain musicien vous avait concocté un cocktail qui s'appelle le chihuahua, aussi détonnant que l'état du chihuahua dont je vais vous parler, puisqu'il avait mélangé du Grand Marnier, du café, puis je ne sais plus quel alcool. Du jean, peut-être. On a tous fini sous la table. Je ne m'en suis pas encore remise. Alors, vous allez voir que le chihuahua, dans un autre genre, l'état du chihuahua au Mexique, parce que c'est au Mexique, c'est quand même un endroit particulièrement riche en apparitions d'ovnis, en apparitions de tout ce qu'on veut, en portail interdimensionnel, en fantôme même, mais je ne veux pas vous parler de fantôme aujourd'hui. Il y a de tout, y compris tout quelque chose de très spécifique et qui est unique au monde pour l'instant, hein, à ce que je sache. Voilà. Mais je crois qu'il y a aussi le chupacabra là-bas. Ah bah, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a même un truc qu'on trouve aux États-Unis. On pensait que c'était unique, mais pas du tout. Il y en a aussi au Chihuahua, vous allez voir. Alors, commençons donc par cette première histoire, parce que donc finalement, c'est plein de petites histoires au Chihuahua aujourd'hui. Bah, je vais raconter l'histoire spécifique de l'état du Chihuahua avec, dans les généralités et diversité ufologique en tout genre, quelques spécificités, et également je vais parler d'une zone qu'on appelle la zone de silence, où il se passe des trucs pas possibles, et où je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça la zone de silence. Mais c'est un endroit unique au monde, où il se passe des phénomènes, des incidents divers et variés qu'on trouve nulle part ailleurs, dans une concentration absolue et avec une régularité totale. Donc c'est très particulier. Voilà. Bon, d'accord. Mais tu sais quoi ? Chut ! On va faire silence et on va t'écouter. Eh bien, allons-y. Alors, depuis des décennies, des observations de OVNI se manifestent au Chihuahua. Et c'est probablement l'état mexicain, il y en a d'autres aussi, mais c'est probablement l'état mexicain où il se passe le plus de choses de nature ufologique et pas vraiment des choses banales, hein, ça sort vraiment de l'ordinaire. Alors pour ce qui concerne les apparitions d'OVNI, on peut dire qu'elles sont constantes et qu'elles se multiplient depuis des années, que les gens qui habitent cet état voient des modèles d'OVNI de toutes sortes. Ça va du triangle aux sphères, en passant par d'autres choses qui sont du cigare. Enfin, il y a tout, il y a toute la panoplie. Et ça se manifeste en particulier dans des endroits qu'on appelle classiquement des points chauds. Et des points chauds, Dieu sait s'il y en a au Chihuahua. Ainsi, à la frontière avec les États-Unis, au niveau de la ville de Juarez, vous avez une zone désertique. Et là, les ovnis pullulent. Et on voit régulièrement, si vous regardez sur YouTube, vous tapez Juarez, et vous allez voir, il y en a partout. Il y en a tous les mois, il y a des sphères,
des espèces de plasma, des choses absolument invraisemblables qui se manifestent dans cette région. Et alors, depuis 1990, c'est le pompon, ça n'arrête plus. La seconde zone importante où on trouve ces apparitions ufologiques, c'est ce que j'évoquerai très longuement tout à l'heure, qui s'appelle la zone du silence. Alors, c'est un endroit très particulier, et on y reviendra. Il y a une autre région du Chihuahua où ça se bouscule, c'est au nord-ouest également de l'État, et ça se trouve entre les localités de Casa Grandes, Janos, Buenaventura, Gomez, Farias et Bachi Niva. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que s'il y en a qui veulent faire du tourisme écologique au Mexique et en particulier au Chihuahua, comme ça, je leur donne des indications. Alors, il y a un autre secteur où on en trouve pas mal, c'est à Majalca. Alors là, on voit des disques et des sphères régulièrement. Cela décolle de zones montagneuses qui sont absolument pas peuplées. Et comble de l'incroyable, plusieurs habitants ont vu à diverses reprises des humanoïdes volant à basse altitude, assis sur des sortes de fauteuils et qui se déplacent tranquillement sans un bruit. Alors évidemment, ça surprend aussi, mais des choses volantes, vous allez voir, je vous en parlerai tout à l'heure, il n'y a pas que des humanoïdes volants. Alors, dans le sud-est de l'État, là, on est tout en bas, des éleveurs de bétail qui se trouvent près des municipalités de La Cruz, São Cílio et Camargo signalent également fréquemment des apparitions d'ovnis qui descendent des montagnes, qui se déplacent la nuit en émettant des puissants faisceaux de lumière qui balaient le sol. Dans cette région, il y a eu des mutilations de bétail, il n'y a pas que là, mais là en particulier, et pas mal d'abductions. Alors, tout ça, évidemment, sont les territoires qui sont principalement concernés, mais cet État du Mexique, en règle générale, est très fréquenté. Et alors, il y a des ufologues multiples et variés, des groupements ufologiques, j'en ai consulté certains pour extraire des informations, évidemment, et certains ufologues ont été jusqu'à dire qu'il y aurait au moins deux bases extraterrestres au Chihuahua. La première se situerait près de la municipalité de Camargo, entre les mines de La Perla Camargo et d'Hercule. Hercule se trouve dans l'État du Coahuila, qui se trouve juste à côté, hein, et c'est la zone frontalière donc où ça se trouve. Hein, et c'est à une bonne centaine de kilomètres au nord de la zone de silence. Donc c'est toujours assez concentré. Et la seconde base se situerait dans le secteur de Casagrandes, Janos, Buenaventura, dont j'ai déjà évoqué les multiples apparitions tout à l'heure. Alors, certaines sources prétendent que s'il y a autant d'apparitions ufologiques dans le secteur, c'est parce que le sous-sol pourrait intéresser nos visiteurs. Et effectivement, il est riche en uranium, il est riche en fer, et on sait que certains ont trouvé le lien qu'il pourrait y avoir entre ce métal et les apparitions d'ovnis. Et surtout, le sous-sol du Chihuahua est extrêmement riche en quartz. Et vous avez peut-être entendu parler de cette zone, cette grotte absolument extraordinaire, qui s'appelle Naïka, et où il y a des cristaux géants. Je ne sais pas si vous avez vu des photos, mais ce sont des cristaux monstrueusement grands et on n'en a pas trouvé ailleurs au monde. Donc, est-ce que c'est ça qui attire les visiteurs ? Peut-être, mais en tout cas, il n'y a peut-être pas que cette raison-là, mais en tout cas, ça pourrait être une explication. Alors, il y a des ovnis, et puis il y a des crashs d'ovnis parfois. Et va y en avoir un, dont on parle peu, mais qui a quand même existé, et qui s'est passé à Coyam. Alors, le 24 août 1974, ça commence par le repérage par un radar de l'armée américaine, de la défense américaine très exactement, qui détecte un objet non identifié au-dessus du golfe du Mexique et il pense d'abord que c'est une météorite. Et ça se déplace à une vitesse constante de 4000 km/h au-dessus du golfe. Et puis d'un seul coup, ils s'aperçoivent que la météorite, qui est toujours dans son axe, se dirige vers une ville américaine qui s'appelle Corpus Christi, c'est au Texas. Mais la surprise des radaristes, c'est quand la chose change de cap brutalement, par deux fois, avant de foncer directement vers le Mexique.
dans le même temps, les radars vont voir, leur attention va être attirée par un petit avion de tourisme, lequel a décollé du nord du Mexique et de l'État, et notamment d'une ville qui s'appelle El Paso. Et ce petit Cessna se dirige droit dans la direction où arrive l'engin, enfin l'objet très exactement. L'objet qui d'ailleurs est repéré comme en train de descendre très doucement vers un point bien précis du Mexique. Donc les radaristes américains suivent la progression et de ce petit avion et de l'objet avec beaucoup d'attention. Et ils ont raison, parce qu'au bout d'un moment, les deux points vont se rejoindre et ils vont disparaître des écrans radar. Donc, il y a eu une collision, c'est manifeste. Donc, alerte générale. Une radio locale, d'ailleurs, qui a été prévenue par des habitants de la région, a annoncé qu'il y avait un crash d'avion qui venait de se produire. Donc, alerte générale au niveau des autorités mexicaines. Dès le lendemain matin, le gouvernement va dépêcher une équipe d'intervention sur le lieu qui a été repéré comme étant celui du crash. Et au milieu de la matinée, les sauveteurs ont enfin localisé l'épave. Alors, de leur côté, les Américains, vous les connaissez, il faut qu'ils écoutent. Alors, ils vont écouter les échanges radio qu'il va y avoir entre les différents corps civils et militaires qui organisent les sauvetages. Et ils vont immédiatement proposer leur service au gouvernement mexicain qui va décliner, qui va refuser, on se débrouille tout seul, on n'a pas besoin de vous. Et dès que l'épave a été retrouvée, les autorités mexicaines qui ont bien compris que les Américains écoutaient vont donner ordre à tous leurs militaires de ne plus communiquer par radio afin qu'ils puissent avoir la paix. Il y a une raison à ça. Parce que c'est pas tout à fait une météorite, hein, et ça on s'en doutait un petit peu, qui s'est crachée et qui a collisionné avec le petit Cessna, c'est tout autre chose, c'est ni plus ni moins qu'un vaisseau. Alors, les Américains s'en fichent royalement, on les connaît, ils vont passer outre le refus et vont faire décoller sans tarder 4 hélicoptères avec une quinzaine de sauveteurs à bord de chaque gros hélicoptère qui vont violer. Qui vont violer tranquillement l'espace aérien mexicain, hein, en volant de façon furtive, et rejoindre le lieu supposé du crash, c'est-à-dire les environs de cette petite ville de Coyam, dont je vous parlais tout à l'heure, qui se trouve dans une zone totalement désertique. Hein. Il me semblerait également que les Américains aient envoyé immédiatement après des avions de reconnaissance, parce que tant qu'à faire, Donc, ils vont surveiller étroitement les opérations de récupération qui sont menées par l'armée mexicaine. Et c'est à partir de là que deux versions de l'incident et de la récupération, et de ce qui va se passer après, vont intervenir. Alors, la première veut qu'une fois arrivés sur le terrain, les Américains auraient découvert l'épave d'un engin discoïdal d'aspect métallique qui portait la marque d'un gros choc, d'ailleurs j'ai une photo de ça que vous allez pouvoir voir, ainsi qu'une petite déchirure dans la coque de l'objet. Alors vous allez voir, c'est un disque, mais vraiment disque, hein. Il n'y a pas de dôme, il n'y a rien du tout, voilà. Un peu plus loin, ils auraient également retrouvé l'épave du Cessna, qui est complètement démolie, carbonisée, bref. Mais ce qui les aurait surpris, c'est qu'ils vont également retrouver à côté des épaves une jeep de l'armée mexicaine avec 4 soldats à bord qui sont décédés. Et ces soldats ont eu visiblement une mort affreuse. Leur visage porte les stigmates d'une suffocation comme si ils s'étaient morts étouffés, tout simplement. Qu'est-ce que vont faire les Américains ? Ils vont récupérer l'épave de l'OVNI, ils vont l'attacher sous un hélico et ça va partir aux États-Unis et vraisemblablement, d'après ce que disent certaines sources, ça va rejoindre la base de Wright-Patterson qui est bien connue. Il y a une deuxième version alors, qui est un petit peu différente. Celle-ci, elle a été relatée dans un livre qui a été écrit conjointement par deux chercheurs en ufologie mexicains, Noé Torres, qui est membre du MUFON américain, et Ruben Uriarte,
Alors, bon, il y a un Américain, un Mexicain, plus exactement. Et ils vont écrire un bouquin qui s'appelle « Mexico's Roswell ». Et ils vont expliquer une version un petit peu différente de la récupération de l'engin. Dans les années 90, pourquoi ils vont faire ça, ces deux hommes? Parce que dans les années 90, comme d'autres ufologues, ils vont recevoir d'un correspondant anonyme un étrange document qui s'intitule « Rapport Deneb ». Et quand ils vont recevoir ça, ça va les intriguer, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de détails, et ils vont partir enquêter sur le terrain. Et là, ils ne vont pas être déçus du voyage, parce qu'ils vont découvrir qu'un certain nombre d'habitants ont vu des choses, ont vu le crash, ont vu la zone, ont vu les militaires, et tout ce qu'ils vont découvrir est fort intéressant. Et à la suite de ça, les deux ufologues vont encore recevoir un autre message anonyme avec la liste de noms de militaires et leur numéro d'immatriculation. Et ces militaires, dont certains noms sont parfaitement connus, sont aussi bien des soldats mexicains que des soldats américains. Toujours selon leurs sources anonymes et au terme de l'enquête qu'ils ont menée sur le terrain, ils vont découvrir que les militaires mexicains auraient en fait récupéré les épaves aussi bien du vaisseau que du petit Cessna, qu'ils les auraient chargées sur un train qui aurait une destination vers le sud du Mexique, et que les avions américains, les avions de surveillance américains qui étaient sur place, avaient pu observer tout le manège pendant un moment. Sauf qu'au bout d'un moment, les avions de reconnaissance vont repérer que le train est immobilisé, je dirais pas en rase campagne parce que c'est le désert là-bas, enfin au milieu de nulle part, dirais-je, qu'il n'en bouge plus, qu'il est escorté par des jeeps et des camions, et quand ils vont survoler à très basse altitude le convoi, eh bien ils vont s'apercevoir que plus rien ne bouge, qu'il n'y a plus âme qui vive, semble-t-il, et surtout qu'il y a deux corps de militaires mexicains qui sont au sol et qui ne semblent plus être très vivants. Alors, en dépit du refus absolu du gouvernement mexicain pour une intervention sur leur sol, les autorités américaines vont passer outre et vont dépêcher des équipes de récupération au sol. Et lorsque les membres des équipes de récupération au sol vont arriver, vêtus de leurs jolies combinaisons blanches qui permettent de se protéger d'une attaque biologique, eh bien, ils vont arriver, d'ailleurs, cette équipe sera arrivée le 26 août à 16h, eh bien, ils vont faire une macabre découverte. C'est-à-dire que tous les soldats mexicains qui ont été chargés de la récupération du vaisseau, qu'ils soient sur le train, qu'ils soient sur les camions, qu'ils soient sur les jeeps, eh bien, ils sont tous décédés. Ils vont découvrir que le vaisseau n'était pas en fait sur le train, mais à l'arrière d'un camion bâché. Ce vaisseau faisait à peu près un diamètre de 5 mètres. Il ne portait aucune immatriculation. Et évidemment, qu'est-ce que vont faire les Américains? Ils vont appeler leurs hélicos et le vaisseau va être récupéré par l'armée américaine, partir, comme je vous l'ai dit, vraisemblablement sur la base de Wright Patterson, encore qu'on n'ait pas de confirmation absolue de ce fait, mais enfin, c'est ce qui se dit. Ils vont nettoyer de façon très claire et très précise et complètement absolue le site du crash et on n'en parle plus. Les années vont passer, les Américains comme les Mexicains vont s'unir, là pour le coup, pour dire qu'il n'y a jamais eu de crash à Coyam, qu'il ne s'est jamais rien passé, et que s'il y a eu effectivement, parce que ça le gouvernement mexicain ne peut le nier, parce que les familles y ont parlé, puis des habitants de la région aussi, ils vont expliquer qu'il y a eu une opération militaire effectivement à la date définie à Coyam, mais qu'il y a eu un accident qui n'avait rien à voir avec un crash d'OVNI, et que c'est pour ça qu'il y a des militaires qui ont été tués, mais circuler, il n'y a rien à voir. Donc on ne saura jamais, de façon très précise, en l'état des choses pour l'instant, ce qui s'est passé, et s'il y a eu effectivement crash ou pas, si c'est une info ou une intox, que cette histoire de crash de vaisseau à Coyam. Mais il y a également, ce qui nous intéresse, et ce qui vous intéresse, je le sais, beaucoup de contacts, et d'abduction qui se passe dans l'état du Chihuahua.
un nombre incalculable de rencontres rapprochées et d'abductions ont été signalées dans cet état depuis fort longtemps, plusieurs décennies. Des entités de tout poil ont été vues, semble-t-il, par différentes personnes. Alors, des gris, évidemment, de différentes espèces, il y a tous les modèles. Des reptiliens, ça c'est plus rare, parce qu'on sait qu'on ne les voit pas très souvent, ceux-là. Mais ils ont été vus aussi. Des sortes de robots, même parfois. Des entités minuscules, je vous raconterai un cas tout à l'heure qui est fort intéressant. Des grands blonds, évidemment. Et d'autres êtres d'apparence humaine ou moins humaine, petits, grands. Enfin bon, la liste n'est pas exhaustive, je crois qu'on a toute la panoplie de ce qui peut exister comme visiteurs qui sont au Chihuahua. Et parmi les contactés qui sont célèbres, eh bien, j'avais raconté une fois dans une émission sur les Vénusiens ce qui était arrivé à un certain Howard Menger. Et Menger, en 1942, il a la vingtaine d'années, il fait son service militaire et il est basé, il est intégré dans l'armée américaine, il est cantonné dans un campement qui se trouve près de la frontière mexicaine, frontière avec l'état du Chihuahua. Et il est non loin d'El Paso. Et El Paso, c'est une ville frontalière qui est face, qui a son pendant, si je puis dire, de l'autre côté de la frontière, avec une autre ville qui s'appelle Ciudad Juárez. Et ces deux villes, alors, c'est facile de passer la frontière, et eh bien, il va se retrouver dans cette ville de Juárez, avec deux amis un jour, qui sont partis en goguette, qui lui ont dit, bah, viens avec nous. Alors bon, les deux garçons sont plutôt intéressés par les filles. C'est pas trop le cas de Menger, qui décide d'aller faire un tour dans la ville de Juárez, qu'il ne connaît pas. Et là, il va pas être déçu. Mais ça fait suite, finalement, à quelque chose qui lui arrivait depuis des mois. Dans le campement où il était, près de la frontière mexicaine, donc sur le territoire américain, eh bien, depuis, ils étaient en zone désertique absolue, hein, il avait remarqué à plusieurs reprises l'apparition de disques lumineux qui se déplaçaient. Alors ça, c'était la nuit. Il s'était rendu compte qu'il n'y avait que lui qui les voyait, que visiblement, les autres soldats ne les voyaient pas. Donc, il n'en a pas discuté avec eux. Et puis, par la suite, dans les jours qu'on suit, eh bien, ça ne sera pas une apparition isolée, mais ce sera pratiquement des apparitions quotidiennes. Donc, il s'attend à ce qu'il se passe quelque chose d'autre, parce que quand il était enfant, il avait eu l'apparition à multiples reprises d'une très belle femme qui venait de l'espace, se disant vénusienne, et celle-là lui avait dit qu'un jour, il verrait effectivement des vaisseaux, mais il rencontrerait également des gens. Donc, lors de cette virée à Juárez qu'il va faire avec ses deux copains, eh bien, il va faire son petit tour, et d'un seul coup, alors qu'il marche dans une ruelle, un taxi ralentit, l'aborde, le chauffeur de taxi baisse sa vitre, s'adresse à lui en espagnol, il ne comprend pas très bien, mais suffisamment pour savoir ce que le gars lui veut. Et ce chauffeur de taxi lui explique tout simplement qu'à l'arrière de son véhicule, il y a quelqu'un qui veut lui parler. Et effectivement, Menger se penche, regarde, et qu'est-ce qu'il voit à l'arrière? Un très beau jeune homme, mais alors magnifique, blond, des grands yeux bleus, les cheveux très longs, ce qui est totalement inusité en 1942, hein, puisqu'on a plutôt la boule à zéro. Cet être qui va baisser sa vitre va lui parler dans un anglais absolument parfait et va lui dire très calmement de venir le rejoindre dans le taxi. Sauf que Menger, n'est pas très enthousiaste, donc il va décliner l'invitation et la chose s'arrêtera là. Mais ça se trouve, cette rencontre, si je puis dire, dans cette zone où, à diverses reprises, des gens auront des contacts avec des visiteurs et notamment des humains blonds, de type nordique, et plutôt chaleureux, cela, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de blonds, hein, il y a les gentils et les moins gentils. Parmi les milliers de contacts qui ont existé, il n'y a pas que le cas de Menger, je vais vous en citer un autre, près de la ville de Camargo, et en particulier près du site de La Perla, qui est un endroit où il y a une mine d'uranium, je crois,
Eh bien, il se passe des choses. Alors, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, certains ufologues ont supposé qu'il y avait là-bas une base extraterrestre à déterminer, mais bon. Enfin, il se trouve que nombre d'employés des ranchs alentours, parce que c'est une région où on élève du bétail, eh bien, ces gens ont vu à diverses reprises des sphères lumineuses. Et ils ont été confrontés à peu près tous à des humanoïdes de petite taille, qui ne mesurent pas plus de 80 cm de haut, qui portent souvent, enfin toujours même, des casques et des combinaisons d'aspect métallique. Ceux-là descendent généralement d'objets en forme de disque, et d'autres personnes qui vivent dans les ranchs proches. Mais alors cette fois-ci, de l'autre côté de la frontière, dans l'état du Coahuila, près d'une zone minière qui s'appelle Hercule, ont eu affaire, eux, à des humains blonds de type nordique et avec une morphologie très athlétique, ils sont costauds. Hein. Donc, c'est assez particulier. Je vais vous citer également le cas d'un vieil homme qui s'appelle Juanito, qui vit dans un ranch près de Yepomera, près de la ville de Madeira. Et lui, il va faire une rencontre accrochée alors qu'il se trouve près de la ville de Chihuahua. Parce que vous avez au milieu de l'État du Chihuahua une ville qui s'appelle comme l'État, qui est la capitale de l'État, on peut dire ça comme ça. Et ce vieil homme, donc Juanito, dit qu'un jour où il est accompagné, on n'a pas de précision sur la personne qui l'accompagne, eh bien, il va lui arriver une drôle de chose. Vers 19h, il voit dans le ciel une vive lumière apparaître. Ce n'est pas la première fois qu'il en voit, mais celle-ci est de forme demi-ronde. Il la comparera à un arc-en-ciel et elle se trouve à peu près à une distance de 1 km. Et il est vraiment irrésistiblement attiré par cette belle apparition. Et puis, simultanément, il a surtout une drôle d'impression. Il a l'impression qu'il perd la notion du temps. Et plus curieux encore, il a l'impression qu'il est devenu quelqu'un d'autre, qu'il s'est comme dédoublé. J'ai eu le ressenti d'être à deux endroits en même temps. Au Mexique, là où je suis, mais également dans un endroit très lointain. Il ne va pas donner de précision, mais bon. Il va se retrouver en un clin d'œil à l'intérieur du vaisseau, dont il décrira qu'il avait la forme d'un sandwich. Et ce sandwich fait des mouvements de balancier, de droite et de gauche, il est en sustentation. Et à l'intérieur du vaisseau, il va se retrouver confronté à un être qui semble être le chef. Il paraît âgé. Il a un visage humain, mais bon, avec des différences, vous allez voir. Donc, il paraît âgé et tient une sorte de plaque circulaire sur laquelle se trouvent des boutons de couleurs différentes. Juanito est là. Normalement, bon, on sait très bien quand on est abducté, en général, on n'est pas très à l'aise et on a un petit peu peur de ce qui va arriver. Lui, pas du tout. Il est détendu, il est bien. Il a l'impression d'être ailleurs, dans une autre dimension, précisera-t-il. L'intérieur du vaisseau est éclairé par une douce lumière, il se sent à l'aise. Il qualifiera cette lumière d'ailleurs de lumière pure. Je pense qu'elle est très blanche, ça doit être pour ça. Il se sent bien, aussi léger qu'une plume. Il a l'impression de flotter, même s'il ne flotte pas. Il a les pieds sur le sol, hein. Et il dira que durant toute ce séjour à bord du vaisseau, il a éprouvé aucune fatigue, au contraire, s'est senti régénéré, aucune sensation de faim. Alors, le vieil être qui lui fait face, a la tête un peu plus ronde que celle des humains, dira-t-il, des caractéristiques humaines, bon, le nez est droit, il a des cheveux argentés, tout blanc. Et des yeux un petit peu étirés vers les tempes. Mais il n'est pas très grand, il mesure 1m45. 1m10, 1m15. C'est un autre dont je vous parlais tout à l'heure, qui mesure comme ça. Donc, il n'est pas très grand. Il est très gentil. Il va expliquer à Juanito que lui et les siens sont venus pour réparer une blessure que pourrait nous infliger le rayonnement solaire et réparer notamment le trou de la couche d'ozone. Et que pour cela, ils viennent sur Terre et précisément à cet endroit, du Chihuahua, pour extraire à une profondeur de 7000 km sous la croûte terrestre trois types de gaz qui serviront à réparer ce trou dans la couche d'ozone. Il va également lui laisser entendre qu'ils font des recherches sur les humains, mais bon, il ne va pas avoir vraiment de précision là-dessus.
Alors, il va rencontrer d'autres êtres à bord. Il aura des échanges. Il n'est pas très précis sur la nature des échanges et le contenu. Mais il ne saura à aucun moment, les êtres ne lui diront à aucun moment d'où ils viennent. Et il gardera une impression de bienveillance dans tous ces échanges. Parce qu'il est touché par ce discours qu'ils vont lui tenir concernant la protection de la planète. Il va y avoir un autre cas au Chihuahua qui est intéressant, qui va se dérouler le 2 novembre 1993 aux alentours de 12h45, dans un quartier est de la ville de Chihuahua, encore Chihuahua. Ce quartier s'appelle le Cerro Coronel. Et ça va arriver à un jeune photographe qui travaille dans un petit studio de photos de la ville. Et ce photographe, qui a 24 ans, qui s'appelle Gilberto Ugalde, quitte son domicile vers l'heure du déjeuner. Hein, et voilà qu'il aperçoit tout de suite, à quelques distances, un objet assez large, 8 mètres de diamètre, d'après ses estimations, qui est en train de se déplacer de manière erratique. Ça part un peu dans toutes les directions. Oh, il est content. Il se dit, bah, tiens, je vais le photographier. Il a son appareil photo avec lui. Hein. Et il monte sur une petite colline voisine, d'abord pour mieux le voir, mais surtout avoir une meilleure prise de vue. Il va faire une série de clichés, 21 en tout. Et il y en aura deux. Ce sont des clichés en noir et blanc. Et il y en aura deux où le vaisseau qu'il va photographier apparaît vraiment très nettement. Et une fois qu'il a fait ses photos, eh bien, l'objet s'éloigne à grande vitesse. Alors, ces photos, il va les présenter à un ufologue de la ville, qui est un ufologue d'un groupement ufologique qui s'appelle le GIFA, et il va lui confier tous les négatifs, les 21 négatifs. Et l'ufologue va examiner cela évidemment par des experts en photographie qui vont déterminer qu'il n'y a pu avoir aucun trucage et que ce jeune photographe est parfaitement de bonne foi. Le temps va passer. Et dans les années 1995, Gilberto Ugalde commence à ne pas se sentir très bien. Il fait des cauchemars la nuit, toutes les nuits, cauchemar sur cauchemar. Et à chaque fois qu'il fait des cauchemars, lui apparaissent des visages absolument effrayants. Et pire encore, il devient hypersensible à tout ce qui l'entoure, électromagnétique, même la nourriture, il fait des allergies à tout. Alors, il se pose des questions, comme il est un petit peu intéressé par la question ufologique, il se dit que ça a peut-être un rapport avec la rencontre qu'il a fait des années avant, enfin disons l'apparition qu'il a vue des années avant, et il décide de retourner voir un ufologue. Et cet ufologue va lui dire, écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une régression hypnotique. Hein. Alors il va faire cette régression avec un hypnotiseur qui s'appelle Joel Bermudez, et là il ne va pas être déçu du voyage. Cette régression va lui révéler qu'il a été abducté, en fait, dès la deuxième photo qu'il a prise du vaisseau. Dans sa séance d'hypnose, il va voir ce vaisseau se rapprocher. Il était surmonté d'un dôme et il décrira une petite roue, une sorte de petite roue qui tournait sous la base du vaisseau et qui semblait être, d'après lui, un système de guidage. Il va dire également que soudain, il va se mettre à flotter dans une sorte de faisceau de lumière bleue et jaune, s'élever vers le vaisseau de cette façon, et qu'à son approche, une porte va s'ouvrir sous la base du vaisseau, il va pénétrer dans l'engin et être accueilli par trois humanoïdes, dont un va lui saisir la main pour le guider à l'intérieur. Tous les êtres sont de petite taille, pas plus d'1m45, ils ont les yeux bridés, comme les Asiatiques, ils ont un visage un peu asiatique, même s'ils sont, ils sont pas humains, hein. Ils ont des yeux noirs, un peu comme des yeux de chat, un peu plus grands que ceux des humains. Ce ne sont pas les grands yeux noirs des gris habituels, non, mais ils sont plus grands que ceux des humains. Ils ont la peau grise qui tire plutôt vers le jaune, deux trous à l'emplacement du nez, une petite bouche qui n'est pas mobile. Ils ont quatre doigts aux pieds comme aux mains, apparemment ils ont les pieds nus. Et ils vont tout de suite dire aux jeunes photographes qu'ils ne veulent pas de mal, mais qu'ils vont lui faire faire certaines choses. En fait, le petit vaisseau dans lequel il a été embarqué est une navette qui va rejoindre un vaisseau beaucoup plus grand, qui est à haute altitude. Il est de forme triangulaire. Et il le décrira comme étant une sorte de pyramide couchée.
Et à l'intérieur de ce grand vaisseau qu'on pourrait qualifier de vaisseau mère, eh bien, il va se retrouver face à quatre nouveaux humanoïdes qui se ressemblent comme des frères, comme des clones, même, je dirais, et qui vont l'emmener dans un endroit où il va découvrir, sur des tables d'examen, deux personnes. Alors, ce sont deux humains. L'un de ces humains est une femme de type asiatique. L'autre, il va comprendre, c'est un homme, et il va comprendre que c'est un Américain. Ils sont recouverts tous les deux d'une couverture blanche et ils semblent dormir. Les aides vont l'installer sur une autre table, lui introduire dans le nez une sorte de tuyau qui est relié à une sorte de réservoir qui ressemble un petit peu... enfin, c'est un jerrycan à essence, vous voyez, mais de petite taille. Et par le tuyau qu'on lui a mis dans le nez, eh bien, on va lui introduire un liquide bleu. Et alors ça, c'est terrible, parce que ce liquide va le suffoquer, et les humanoïdes vont lui sauter dessus pour pas qu'il se débatte. L'expérience est traumatisante, parce qu'il est comme noyé hein, par ce liquide, mais il ne perd pas pour autant conscience. Ensuite, les aides vont lui retirer le tuyau, et puis il y a un autre être qui va s'approcher, qui a l'air d'avoir une perruque. Il y a des cheveux, mais qui ne paraissent pas naturels. Il va comprendre que c'est le chef, va y avoir un échange télépathique. Et lors de cet échange, l'être va lui signifier qu'ils sont là pour faire des expériences sur les humains. Et cet être va ajouter qu'avant de s'en aller, il va lui donner plus de détails. Après cela, les autres êtres qui étaient là et qui avaient procédé à l'expérience vont lui mettre un casque sur la tête, relié à plusieurs tuyaux. C'est pas trop ce qui se passe, il n'a pas de ressenti particulier, mais en tout cas, au bout de quelques instants, ben, le casque lui est retiré. On va le reconduire tranquillement à la navette. Il en ressortira comme il est venu, c'est-à-dire par le faisceau de lumière qui l'a monté jusque-là, et va être déposé sur la colline au même endroit où on l'a enlevé. Voilà. Alors, il y a une étude assez franche de ce cas. Puis il va y avoir un autre cas. Avant que tu passes sur l'autre cas, on a tous quand même une question au bord des lèvres, Elisabeth. Mais où sont ces photos? Parce que s'il a tiré 21 photos, dont deux qui représentent bien le vaisseau, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Les négatifs font. Il me semble que j'en ai vu une. Mais bon, je sais que c'est entre les mains de cet organisme mexicain, ce groupement ufologique, il y en a plusieurs, et celui-là est basé, enfin, s'occupe beaucoup d'enquêtes sur le Chihuahua, c'est le GIFAE, et je pense qu'ils doivent avoir les photos, mais il me semble que j'en ai vu une, je me souviens plus parce que j'en ai vu. Ils n'en ont jamais publié, ils auraient gardé pour certainement, eux. Certainement, mais si tu veux, bon, moi j'ai consulté des tas de trucs mexicains, et au bout d'un moment, j'avais la tête au carré, tu vois. Et comme l'état du Chihuahua, je pourrais faire 4 émissions là-dessus, au bas mot, hein, de 2 heures chacune, parce qu'il y a un nombre incalculable de choses. Et si je voulais faire un truc approfondi, effectivement, je pourrais aller sur les archives et même, pourquoi pas, avoir un contact avec les ufologues qui sont là-bas. Mais ce cas a été étudié de façon très sérieuse. Hein. Je ne sais plus quel est le nom de l'enquêteur. Je crois, il s'appelle Gilberto Delgado. Tiens, voilà l'enquêteur qui a enquêté là-dessus. Voilà. Entendu. Mais il y a des enquêteurs multiples et variés, mais bon, celui-là est assez connu, semble-t-il. Ok. Bon, et puis une tête au carré pour mettre un sombrero, c'est pas facile. Continuons. Non. Puis déjà, le sombrero, je suis pas sûre que ça m'aille. Tu vois, avec un sombrero, je crois que j'aurais pu. Mais là, on va se dire, la pauvre, elle a usé de la tequila, c'est pas bon. Après le chihuahua, il faut qu'elle arrête. Bon, allez, on continue. Alors, le cas que je vais vous rapporter. Celui-là, c'est pas de l'ufologie, c'est pas l'ufologie. Ça a certainement été étudié par des ufologues. Mais en tout cas, ça relève d'une enquête de police et d'un fait divers qui a été rapporté dans un journal d'information générale, qui est pas du tout un canard à scandale, hein, bon, c'est un fait divers. Et ce fait divers, ce journal s'appelle le Milenio Novedades. Et il va raconter la chose suivante, ce journal. Il va raconter qu'en septembre 87, un groupe de gamins âgés de 9 à 11 ans jouent dans le jardin d'une habitation qui se trouve à Meoqui, une petite bourgade qui est située au sud de la ville de Chihuahua, toujours autour de Chihuahua. Hein. Deux d'entre eux
L'un s'appelle Javier Valenzuela et l'autre Sergio Lira. Sont dans un coin du jardin et s'aperçoivent qu'il y a des trous dans le sol. Donc les gamins, bah, vous savez, ils pensent que c'est des souris, des rats ou je ne sais trop quoi. Donc ils examinent les trous avec beaucoup d'attention. Ils ont peut-être un petit bâton pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Puis là, ils ne vont pas être déçus du voyage parce que ce n'est pas du tout une bestiole qui va sortir de là, mais des petits êtres minuscules qui ne durent pas plus de 15 cm. Truc de fou. Alors évidemment, ils appellent les copains, mais apparemment, il n'y a qu'eux qui les voient. Et ils vont avoir un échange avec ces petits êtres qui parlent parfaitement espagnol et qui leur expliquent qu'ils sont là, dans son jardin, parce qu'ils aiment bien le climat de la ville de Chihuahua. Puis aussi qu'ils veulent réaliser des tests pour observer les habitants de Chihuahua. Bon, les gamins vont, le soir ou dans la journée, ou un peu plus tard, vont expliquer ça à leurs parents. Qui vont évidemment leur dire qu'ils ont beaucoup d'imagination. Mais non, ils insistent. Les petits singes, comme ils les appellent, ils les ont bien vus. Ils étaient minces, ils avaient un visage tout blanc, la peau complètement blanche donc. Alors ils avaient des yeux rouges, puis un nez qu'on voyait à peine, une bouche qui était comme un trait. Et quand ils parlaient, leurs lèvres ne bougeaient pas. Ils avaient aussi un grand cercle rougeâtre dessiné sur la poitrine. Pas d'oreilles, des cheveux jaunes coupés courts, et leurs pieds et leurs mains comportaient trois doigts et ressemblaient à des pattes de grenouille. Les adultes prennent ça pour une blague et disent vraiment à leurs enfants, arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais les mômes ne veulent pas en démarre. Ils vont peut-être penser que leurs enfants ont une hallucination, qu'ils ont rêvé. Et ils ont beau insister pour les convaincre qu'il faut qu'ils arrêtent de raconter des histoires, les gamins auront ça dans la tête et ne diront jamais le contraire. Ils vont dire aussi que ce qui est très, très amusant, c'est que d'un seul coup, les petites créatures avec lesquelles ils ont eu un petit contact vont disparaître tout à coup sans laisser de traces. Non sans avoir dit avant aux deux gamins qu'un jour, ils les reverraient. Et les années passent. Et l'un des deux gamins a grandi, il a 31 ans maintenant, il s'agit de Javier Valenzuela. Il vit à cette époque dans une ville qui s'appelle Delicias. Évidemment, il va avoir à nouveau des contacts avec ses petits êtres. Et la première personne à qui il va en parler, c'est l'autre gamin, qui est devenu un adulte lui aussi, qui avait vécu l'expérience avec lui dans le fameux jardin. C'est la seule personne en qui il a confiance, puisque cette personne n'a jamais douté, puisqu'elle était concernée également. Donc il va avouer à son ami Sergio que depuis un moment, il revoit les petits êtres. Et que ces petits êtres lui interdisent de parler avec quiconque. Que quand il veut les prendre en photo, ils deviennent immédiatement invisibles. Que quand il les voit et que quelqu'un est à ses côtés et qu'il l'appelle pour regarder, ils deviennent également tout à fait invisibles. Et puis il va dire, je suis inquiet parce que maintenant je les vois plusieurs fois par jour, ils ne me lâchent pas. Et si ça continue, je vais devenir fou, je ne suis pas bien du tout. Il ne comprend pas du tout ce que ces petits êtres minuscules lui veulent. Et puis surtout, il est très, très, très inquiet parce qu'ils lui ont dit à plusieurs reprises qu'il allait l'emmener avec eux. Et là, comme il sait ce que c'est que les abductions, hein, puisque c'est courant dans la région, donc on en parle, et il est terrorisé à l'idée qu'on l'enlève et qu'il ne revienne jamais plus sur Terre. Et il semblerait qu'effectivement, le pauvre garçon ait été enlevé. Car le 6 avril 2007, on va retrouver à son domicile son corps sans vie, couvert de plaies, qui ressemble en fait avec des scalpels. On va évidemment pratiquer une autopsie. Aucun organe n'est manquant, mais on va s'apercevoir en faisant une prise de sang que son sang contient une substance extrêmement particulière et totalement inconnue sur la Terre. Il va y avoir une enquête de police, évidemment. Et lors de l'enquête de police, son ami Sergio va se manifester auprès des services, va être entendu. Et il va expliquer qu'il a vu son ami 3 jours avant son décès, qu'il était très perturbé et qu'il craignait vraiment d'être enlevé. Et que ces êtres
qui le harcelaient et qui pourraient être les auteurs de son crime, hein, eh bien, étaient probablement des extraterrestres. Donc, c'est une histoire assez curieuse, qui est assez bien rapportée par le journal et qui, comme je vous le dis, ce n'était pas un journal de faits divers. Hein. Ouais, pas sympa les mini-pouces. Non, non, faut se méfier. Hein. Petit n'est pas forcément gentil. Surtout que c'est pas très courant, toi qui as l'habitude de lire pas mal de revues ou d'ouvrages, hein, des meurtres par des extraterrestres, il y en a pas eu beaucoup de recensés. Il y en a quelques-uns quand même, il y en a notamment au Brésil où il y a des extraterrestres extrêmement agressifs. Et il y a des gens qui ont été tués, si, si. Puis il y a des gens qu'on n'a jamais revus aussi. Hein. C'est plus fréquent qu'on ne le croit, même si ce n'est pas la majorité. Heureusement, et loin s'en faut. Mais il y a quelques cas quand même. Comme il y a également quelques cas d'êtres minuscules comme ça, qui ont été vus, et pas particulièrement au Mexique. Si vous voyez ça dans votre jardin, ce n'est pas la peine de discuter avec eux. Prenez le large et pensez, et partez très vite. Dangereux, dangereux. Et alors, après les petits êtres minuscules, bien on va parler de quelque chose d'autre. Bon, j'ai déjà parlé dans une autre émission, mais là, ça se passait aux États-Unis. Et dans l'état du Chihuahua, eh ben, on va retrouver ce personnage. Et ce personnage n'est ni plus ni moins que le Mothman. Cette fameuse entité volante qui a terrifié la région de Point Pleasant en 66 et 67, avant qu'il n'arrive une catastrophe. Eh bien, en 2009, voilà que des habitants nombreux d'une petite ville, enfin d'un quartier qui s'appelle La Junta, à côté de Guerrero, vont rapporter l'observation d'un être volant qui mesure plus de 2 mètres de haut. Son visage est couvert de poils, ses yeux sont rouges, et il est doté de grandes ailes identiques à celles d'une chauve-souris. Et puis, il a des petites mains aussi qui ressemblent à celles d'un kangourou. Et le témoignage le plus avéré, qui a été très étudié, est celui d'un jeune homme étudiant de 23 ans, qui au départ ne va pas vouloir dévoiler son identité à la presse, que tout le monde se précipite évidemment pour l'interviewer. Et on saura plus tard quand même, puisqu'on finira par le savoir, qu'il s'appelait Humberto Erives Serra. Et ce qu'il va raconter est absolument éloquent. Le 6 mars 2009, vers 23h50, cet étudiant de 23 ans revient de suivre ses cours à l'Université régionale du Nord. Il roule dans sa voiture et regagne son domicile qui se trouve à La Junta. Et voici qu'arrivé à l'auteur d'un pont qui s'appelle le pont sans nom, il se voit contraint de freiner dans l'urgence car au milieu de la chaussée, il y a un truc bizarre. En l'occurrence, une grande créature qui semble porter soit une cape, soit une grosse couverture sur les épaules. Il a les épaules tombantes. Et il se demande ce qu'il fait là. Il freine brutalement pour l'éviter. Et là, il ne va pas être déçu. C'est que la silhouette fait 2 grands bonds avant de s'envoler. Alors, les ailes sont immenses quand elles se déploient. La largeur de la chaussée, vous imaginez. Et elle prend son vol. Très effrayé, le jeune homme appuie sur l'accélérateur parce qu'il s'aperçoit immédiatement en regardant dans son rétro que si la bestiole s'est envolée, bah c'est pour se mettre à l'arrière de son véhicule et le poursuivre. Donc ça va être une course-poursuite sans fin. De temps en temps, la bestiole roule en parallèle et il va la voir à plusieurs reprises frapper avec ses petites mains de kangourou contre la vitre du côté passager. Il a beau essayer de semer le bestiau en roulant le pied à fond sur le champignon, impossible. Au bout de longues minutes d'une poursuite effrénée, il prend son téléphone cellulaire, il appelle sa mère. Sa mère dira qu'il a décrit un petit peu la chose qu'il poursuivait, surtout qu'il était terrorisé. Il hurlait qu'il allait mourir, que c'en était fini pour lui. Évidemment, sa mère, de l'autre côté, au bout du fil, ne sait pas quoi faire, elle est affolée. La poursuite durera un bon quart d'heure, sur une distance de 12 km environ. Et d'un seul coup, la créature, on ne sait pas pourquoi, abandonnera sa poursuite et s'envolera vers les collines. Inutile de préciser dans quel état le pauvre garçon est arrivé à destination. Sa mère dirait qu'elle ne l'avait jamais vu dans un tel état. Il pleurait, il était livide, il tremblait de tous ses membres. Il était dans un état dépressif et de choc profond. Et il déclara à sa mère à plusieurs reprises qu'il a vu la Sainte Mort. Alors la Sainte Mort au Mexique, vous savez, on est très proche
Il y a le tabou de la mort, et en même temps, on la fête. Hein, vous avez entendu parler des coutumes mexicaines. Mais quand on voit la Sainte Mort, c'est-à-dire en général un squelette ou un fantôme, ça fait un choc et on est persuadé qu'on est mal parti. Enfin, toujours est-il qu'il va décrire l'apparition, 2,50 m de haut au bas mot, deux paires d'ailes, deux grandes ailes qu'il a vu déployer, qui sont immenses, qui lui servent à voler. Et puis deux petites ailes qui servent à rien, qui sont un petit peu plus bas. Il ne sait pas trop si sur ses ailes il y a des plumes ou des poils. C'est de couleur brun café. Le faciès est épouvantable. Le front est très bombé, comme s'il y avait une sorte de protubérance, recouvert de très longs poils comme des cheveux. Il a des yeux rouges, injectés de sang, qui vont le fixer à plusieurs reprises et qui vont le terrifier. Pas de cou. De petites mains semblables à celles des kangourous, ça je l'ai déjà dit, qui ont frappé violemment à la vie de passager. Dans les jours qui vont suivre, il va essayer de se convaincre qu'il a rêvé, que c'est une hallucination, qu'il était fatigué ce soir-là. Mais il a beau essayer, cela ne fonctionne pas. Et c'est bien pire, c'est qu'à chaque fois qu'il veut s'endormir et qu'il ferme les yeux, que se passe-t-il ? Dans son premier sommeil, il voit le visage absolument affreux de cet être, comme s'il était en gros plan. Alors, l'histoire finit par s'ébruiter, la presse locale en parle, comme d'autres cas que je vais aborder aussi. En attendant, le jeune homme est pris très au sérieux. Pourquoi ? Parce que c'est un étudiant modèle, il ne boit pas, il ne se drogue pas, il travaille bien, donc on n'a aucune raison de mettre sa parole en doute. Et puis simplement, l'état dans lequel il s'est trouvé démontre bien qu'il a vécu quelque chose qui n'est pas ordinaire et qui l'a terrifié. Puis il se trouve aussi que, 8 jours avant, il y a une jeune femme, mère de famille, qui s'appelle Yvonne, c'est un pseudonyme, qui a raconté la même chose. Elle venait de quitter une amie et se trouvait à 21h à rouler en voiture sur un chemin de terre désert non loin de Guerrero. Et arrivée à la hauteur d'un cimetière, voilà qu'elle aperçoit devant la porte du cimetière, qui mesure à peu près 3 mètres de haut, 3,50 m, un personnage immense, comme une statue, immobile, dont les épaules semblent être recouvertes d'une sorte de cape noire, même si c'est une couverture. Elle n'est pas rassurée, et elle aussi est persuadée qu'elle a vu la Sainte Mort. Elle est persuadée qu'elle va même mourir, donc elle accélère, et elle est prudente malgré tout. Et arrivée chez elle, elle raconte à sa mère et à son mari ce qui vient de lui arriver, et elle tremble en disant « j'ai croisé la Sainte Mort, je suis fichue ». Quand elle lira dans le journal El Lerado d'El Noreste où était rapportée l'histoire du jeune homme dont j'ai parlé tout à l'heure, elle va se dire qu'elle n'a pas rêvé, qu'elle a été confrontée certainement au même être qui l'a terrorisée elle aussi. Alors elle va retourner au cimetière le lendemain pour se rendre compte de ce qui s'est passé, hein, s'il y a des traces et voir comment ça pouvait être grand. Et là, elle va se rendre compte que l'être ne mesurait pas loin de 3 mètres. Une jeune fille de 16 ans va rapporter une observation, elle aussi, faite près d'un cimetière. C'est le cimetière de Dolores, qui se trouve dans un quartier sud de la ville de Chihuahua, quartier qui s'appelle Soriana Fuentes. Un soir, elle se trouve à l'arrière du camion de son père avec une amie. Son père conduit, il est au volant, et elle regarde le ciel étoilé depuis le camion. Elle adore ça. Puis d'un seul coup, son attention est attirée par quelque chose de bien curieux. Un immense oiseau, mais un truc gigantesque, de couleur grise ou brun foncé, qui plane au-dessus d'eux. Il est d'une taille vraiment sidérante. Il plane calmement, ses ailes ne bougent jamais. Il y a une amie à côté d'elle, elle lui demande de regarder, sauf qu'il y a la lueur des réverbères de chaque côté, ça fait une pollution lumineuse, donc l'autre ne voit rien du tout, et elle-même a du mal à voir. Enfin, elle dira quand même que le vol de cet oiseau démesuré lui faisait penser à celui d'un phénix. Bon, ça c'est la bête mythologique, hein, l'oiseau mythologique. Qu'elle l'avait observé pendant 2 minutes et qu'elle avait été fascinée par le fait qu'il pouvait voler dans tous les sens sans jamais bouger les ailes. Quand elle va parler de sa petite aventure, d'autres personnes ont lui dit « mais nous, on l'a vu aussi, ce truc très bizarre ». Et il n'y a pas que dans la ville en question qu'on a vu cet oiseau, cet être bizarre. Il a été aperçu par d'autres témoins, notamment dans une localité qui s'appelle Simpraplay, près de San Guerrero. Ainsi, un homme âgé qui se trouve vers 22h à prendre le frais dans son jardin va soudain apercevoir, à quelques mètres de lui,
un homme de haute stature, très mince, qui porte une longue cape noire, dont il dira que ses yeux dégageaient de la lumière. Surpris, il lui demande ce qu'il fait là, il ne répond pas. Et il va partir à grand bond, en arrière, et s'envoler en direction de collines voisines. La coïncidence veut que dans le même temps, on s'aperçoit que tout proche de l'habitation du vieil homme, eh bien, plusieurs troupées de brebis aient été attaquées, on ne sait par quoi, on retrouvera des brebis mortes, avec une grande entaille au cou et une grande entaille au niveau de la queue. Autre fait surprenant d'ailleurs, après que l'étudiant ait vu ce Mothman, eh bien, 20 jours après, très exactement, une épidémie de grippe porcine s'est déclarée et a fait des ravages dans la région. Différentes personnes de la région vont encore expliquer, des enfants aussi, avoir vu ce gigantesque être volant. Il y a deux gamins, par exemple, qui sortent de chez eux un jour, leur mère leur a dit d'aller chercher de l'eau au puits voisin. Et là, ils vont voir cet être-là, ils vont revenir terrifiés et en hurlant. Une famille près de San Juanito, près d'un site qui s'appelle la Mesa de Gonzales, vont également l'apercevoir. Une jeune femme dont je ne sais pas où elle habite, mais a entendu une nuit des pas sur sa toiture. Elle a entendu comme des bruits d'ailes, ça fait un bruit, vous savez, quand les ailes battent. Et puis, elle a entendu comme des couinements de souris. Il y a un autre homme qui a entendu des couinements de souris, ça c'était à Huerta, et ça se trouve dans un verger qui s'appelle le jardin d'El Rosario. Et cet homme qui est gardien de nuit va aller voir de quoi il s'agit, parce qu'il entend ces fameux couinements, et il va apercevoir la silhouette terrifiante d'un être piégé dans un filet anti-grêle. Il voit ses yeux rouges et son instinct lui commande de fuir au plus vite, ce qu'il va faire. Il n'y a pas que cette femme qui a entendu des couinements, qui a entendu ces couinements. Il y a également un homme, une nuit, qui se trouve à Huerta dans un verger qu'on appelle le jardin d'El Rosario. Il est gardien de nuit et il entend des couinements, quelque chose, des cris, c'est assez bizarre. Donc il va aller y voir. Et il ne va pas être déçu du voyage. Parce que qu'est-ce qu'il va voir dans un filet anti-grêle emmêlé là-dedans? Eh bien, un être ailé, avec des yeux rouges. Aussitôt, il se dit « Ouh là là, courage fuyant hein. !» Et il va partir à toutes jambes. Le lendemain, il va revenir au verger pour voir si la chose est toujours là. Eh bien non, elle a disparu. Et alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce jardin d'El Rosario, ce verger, se trouvait comme par hasard tout à côté de l'endroit où le jeune homme avait vu l'être sur la route, près du pont sans nom. C'est quand même très intéressant. À une vingtaine de kilomètres de là, dans un endroit qui s'appelle El Barre ou Agua Caliente, il y a une autre personne qui va voir la chose. Sauf que lui, ça va tellement lui faire de l'effet qu'il va tomber raide d'une crise cardiaque. Alors, les plaintes se multiplient. La population commence à être terrorisée, les journaux en parlent, donc les autorités vont faire quelque chose. Il va y avoir une enquête très sérieuse, aussi bien de la protection civile que de la police de Guerrero. Ça va durer des mois, mais aucune trace ne sera jamais retrouvée. Toutefois, le commandant de la police, qui s'appelle Socorro Rodriguez Arribes, va déclarer que l'entité existe bien et qu'elle a probablement son repère dans des grottes de la région montagneuse de Minaka. Quand même très étrange, cette histoire de Mothman. Apparemment, il n'y a pas eu d'autres apparitions depuis. Ça a été très ponctuel, comme à Pointe Plaisante, mais enfin, c'est quand même assez impressionnant. Juste une petite précision pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce Mothman de Pleasant Point. Tu as donc fait une émission de plus de 2 heures sur Nuria TV. C'était le 28 avril 2016. Voilà, vous pouvez le retrouver sur YouTube en tapant Mothman Elisabeth de Canini. Vous allez tomber directement dessus. Voilà. Et vous allez voir que c'est le même bestiau. Hein. Parce que j'avais parlé d'un certain nombre de gens qui avaient été confrontés à la bestiole, qui s'étaient fait poursuivre en voiture aussi. Avec une précision
Ce qui est quand même très intéressant, c'est que la plupart des personnes qui ont été poursuivies en voiture étaient souvent des femmes, et des femmes qui avaient leurs règles à ce moment-là. Il y avait peut-être un petit côté vampire, le bestiau. C'est pas très appétissant, mais enfin. Bon, enfin, c'est la même chose. Hein. Visiblement, c'est le même personnage. Il est décrit exactement de la même façon, compris avec des yeux rouges, on ne sait pas si c'est des poils, des plumes. Enfin, c'est assez curieux. Et d'ailleurs, les dessins de ce fameux Mothman, qu'il soit mexicain ou qu'il soit celui de Virginie, eh ben, c'est très proche. C'est pratiquement la même chose. Allez, on va arriver à la zone du silence. La zona del silencio. Alors, cet état du Chihuahua est connu pour cette zone très étrange où il se passe depuis bien longtemps des choses surnaturelles. Mais on va mieux en entendre parler à partir de 1930. Alors, pourquoi alors, où est-ce qu'elle se trouve, cette zone du silence? Ben, elle est à cheval sur trois états. Sur l'état du Chihuahua, c'est la frontière, hein, sur l'état de Durango et de Coahuila. Coahuila. Ça couvre à peu près 400 000 hectares. Certains disent que c'est une zone circulaire où il se passe des choses bien précises. D'autres disent que c'est sur une bande de terre qui mesure à peu près 50 km de large. Enfin, que ce soit la zone même ou ses environs, il y a de la matière et il se passe beaucoup de choses. Certaines personnes ont fait remarquer au fil du temps que la position de la zone du silence n'est peut-être pas un hasard, puisqu'elle cette zone se trouve située entre les 36e et 38e parallèles, et c'est à cette latitude-là également que figure aussi bien le triangle des Bermudes que le site de Gizeh, et également certaines villes sacrées au Tibet. Donc, y aurait-il un rapport, y aurait-il une ceinture autour de notre planète qui fait qu'à certains endroits, eh bien, il se passe des choses étranges. On va dire également que dans la zone du silence, il y a un vortex qui aurait été baptisé le vortex du Trino. Et une légende veut aussi qu'une autre zone identique, qui se trouve exactement à l'opposé de cette zone mexicaine, de l'autre côté de la planète, puisse avoir les mêmes propriétés que ce que je vais vous décrire. Elle serait en Asie centrale, mais personne ne l'a trouvée apparemment jusqu'ici. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cette zone la zone du silence? Ben, tout simplement parce qu'il y a une propriété particulière qui a été repérée en 1930 par un pilote mexicain qui survole la zone. Il s'appelle Francisco Sarabia. Et lorsqu'il survole la zone, que lui arrive-t-il? Ben, sa radio tombe en panne. Il trouve ça curieux, il fait plusieurs survols. Et quand il revient sur la zone, à chaque fois ça retombe en panne. Et à chaque fois qu'il ressort de la zone, ça remarche. D'autres personnes se sont aperçues effectivement qu'il y a des problèmes de communication sur la zone, que les ondes ne passent pas. On remarquera également que les boussoles deviennent folles, qu'elles perdent le nord, et surtout que des météorites, des fois bien lourdes, viennent s'écraser spécifiquement dans cette zone. Et pas, il y en a des grosses, il y en a des petites, il y a de tout. On remarquera aussi que diverses personnes sont prises de troubles psychiques quand elles se baladent dans cette zone et quand elles sont hypersensibles, et qu'on y fait surtout pléthore d'observations d'objets lumineux, ainsi que de drôles de rencontres dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne les météorites, le 8 février 69, aux premières heures de l'aube, une lumière aveuglante illumine la région. C'est une grosse météorite qui arrive et qui dégage une lueur aveuglante, mais une lueur qu'on ne peut pas regarder tellement c'est vif. Et elle va aller s'écraser à proximité d'un petit hameau qui s'appelle Pueblito de Allende, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de ce qu'on appellera plus tard la zone du silence. L'onde de choc va être terrible. Il va y avoir un grondement épouvantable qui va faire trembler la région, ainsi qu'une vibration du sol impressionnante que les gens vont s'en souvenir, et probablement sur des générations. Cette météorite qui est monstrueusement grosse s'appelle la météorite d'Allende. On l'a baptisée ainsi puisqu'elle est tombée à côté de ce petit village qui s'appelait Pueblito de Allende. Et certaines rumeurs, alors ça reste à voir, diront que cette météorite avait légèrement dévié sa course à un moment. Ça avait été vu, semble-t-il, par ceux qui suivaient une sonde spatiale soviétique qui s'appelle Vénus 5. Et qu'en déviant sa course, la météorite aurait évité la collision. Alors ça, c'est certainement de la littérature.
Mais enfin, il semble que cette zone du silence, et ça, ça n'est pas de la littérature, est une propulsion à attirer tout ce qui est chute de météorites. Puis pas des moindres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a par exemple il y a un bolide de 14 tonnes qui va chuter là-bas en 1938. En 1975, ça sera un météore de près de 10 tonnes qui chutera près d'une hacienda qui s'appelle Hacienda de Morito. Sauf que des fois, il y a des ranchs qui sont visés, notamment un ranch qui s'appelle le ranch Chupadero. Lui, il a eu droit à deux météorites immenses, énormes. Juste à côté, hein, à 100 mètres, visé. Près du village de Allende, où est tombée la fameuse météorite, eh ben, il y en a une autre qui est tombée, qui était de bonne taille et surtout qui pesait 7 tonnes. Et indépendamment de ça, eh ben, il y a sans arrêt des pluies de météorites de plus ou moins grosse taille et des petites boules de sortes de fer. Alors ça, on avait retrouvé ça dans la Tunguska dont j'avais parlé. Quand il y a des chutes de météorites, souvent on retrouve aussi ces, sur une certaine distance, quand la météorite explose, des petites billes de fer. C'est de la magnétite pure ou du fer. Et il y en a exactement, il y a exactement la même chose sur la zone de silence. Mais il n'y a pas que ça dans la zone de silence. Il y a des anomalies électromagnétiques majeures et de fortes radiations cosmiques. Et c'est vraiment en 1970 qu'on va en savoir un petit peu plus, parce que vous avez un professeur qui s'appelle le professeur Garcia, Santiago Garcia, qui est un scientifique et également un journaliste, qui entend de plus en plus parler des spécificités drôles de choses qui se passent dans la zone du silence. Donc il va aller enquêter, il va s'y rendre, il habite à côté, à moins de 100 km. Alors il va partir avec ses instruments, évidemment, et il va relever des petites anomalies électromagnétiques à certains endroits, mais des grosses, grosses anomalies à certains autres. Et il retrouvera lui aussi les fameuses petites billes de métal dont je me souviens maintenant ce nom, ce sont des guirolas qui chutent régulièrement là-bas. Et puis, il n'est pas parti les mains vides, il s'est quand même documenté avant le bon professeur. Et puis, il a tombé sur un rapport d'un des cadres de la NASA qui s'appelle Richard Downs, qui est un scientifique, docteur Richard Downs, et qui lui avait relevé que sur la région de Ceballos, donc qui se trouve dans la zone de silence, qui jouxte, il y a une anomalie magnétique majeure. En fait, une véritable tornade électromagnétique qui perturbe complètement toute communication hertzienne. C'est pour ça qu'il n'y a aucune communication hertzienne, je dis bien aucune, qui puisse passer sur cette zone de silence. Alors, le professeur Garcia est enthousiaste, il va faire un article qu'il publiera à la suite de sa visite sur le territoire. Et puis, il a remarqué aussi, en faisant ses mesures, que la zone du silence est une région spécifique. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, qui l'a remarqué. Après, il y a un institut qui est l'Institut technologique des études supérieures de Montréal au Mexique qui a fait une étude là-dessus et qui va déterminer que des radiations cosmiques d'une intensité exceptionnelle se trouvent spécifiquement concentrées sur cette zone de silence, avec une puissance des rayons solaires qui est 35% supérieure à celle qui existe sur le reste de la planète. Mais il n'y a pas que ça dans la zone du silence et des apparitions de vie. Alors là, ça n'arrête pas. Il va rappeler le professeur Garcia dans son étude et dans un bouquin qui paraîtra un petit peu plus tard, que dès la Révolution mexicaine, qui a duré de 1910 à 1921, eh bien, ont été mentionnés des objets volants dans le ciel, sur tout le territoire de la zone du silence. Que ça ressemblait étrangement à des ovnis, d'après les descriptions qui ont été faites et qu'on retrouve dans les archives. Il va également interroger, en faisant son enquête, un vieil homme qui s'appelle Mathias Lopez, un vieux fermier du coin, lequel lui révèle que quand il était jeune, il avait une quinzaine d'années, il avait vu des boules de feu survoler San Pedro, qui est une petite bourgade de Coahuila, donc l'état voisin qui se trouve sur la zone du silence, lui aussi. Il en avait parlé aux personnes âgées de sa famille, donc les ancêtres, qui lui avaient dit qu'ils étaient parfaitement au courant, comme leurs ancêtres eux-mêmes, depuis la nuit des temps, et que ces sphères que lui voyait se balader n'étaient rien d'autre que les feux de la fin du monde, qu'un jour ils embraseraient notre planète,
Et ces gens avaient une croyance quasi religieuse entre ces phénomènes qu'ils qualifiaient, on peut le dire, d'apocalyptiques. Alors, il n'y a pas que cet homme devenu âgé qui a observé ces sphères. Il y en a d'autres. Beaucoup de rancheros du coin, en rentrant leur vache à l'étable le soir, parce que c'est surtout la nuit que ça se passe, vont observer ces boules. Alors, quand ils les voient, inutile de vous dire qu'ils font le signe de croix, vite fait, pour conjurer le mauvais sort. Alors, ces boules sont rougeoyantes, elles tirent souvent vers le jaune, elles sont parfois de belle taille. Il y en a qui ont été observées, elles faisaient jusqu'à 12 mètres de diamètre, ça n'est pas rien. Elles émettent souvent des gerbes d'étincelles et elles se déplacent erratiquement de haut en bas en émettant de petits sifflements, allant crescendo jusqu'à ce que ça produise un grondement semblable au roulement du tonnerre. C'est marrant parce que ça me rappelle aussi des trucs de la Tunguska, ça c'est assez étonnant. Proche de la zone, le professeur Garcia va écouter le témoignage d'une jeune fille qui a 12 ans et qui s'appelle Guadalupe Becerra. Et elle habite dans la petite ville de La Goma, qui est située au sud de la ville du Silence. Et elle dit qu'elle voit depuis très longtemps, elle aussi, comme tout le monde, des phénomènes lumineux dans le ciel. Qu'un jour, elle va voir quelque chose d'extraordinaire. Un truc énorme qui ressemble à une roue et qui est à proximité de la montagne que tout le monde appelle la baleine. Il faut dire qu'effectivement, elle a un peu une forme de baleine. Et sa lumière à cet engin est si éblouissante qu'elle ne peut absolument pas regarder et que ça lui brûle les yeux. Elle va avoir des problèmes oculaires d'ailleurs. L'objet va rester en état stationnaire pendant un bon moment, devenir de plus en plus brillant pour disparaître à une vitesse phénoménale dans le ciel à la verticale et ne veut devenir en quelques secondes qu'une petite étoile. Il n'y a pas qu'elle qui a vu ça. Un soir de février 76, vers 21h, les habitants d'un petit hameau de Ceballos, non loin de la biosphère de Mapimi, dont je parlerai tout à l'heure, vont se rassembler dans la rue principale. Et pourquoi? Parce que dans le ciel, qu'est-ce qu'ils voient? Un objet gigantesque. Ils vont estimer sa longueur d'ailleurs à 300 mètres de long, vous imaginez. Il est d'aspect métallique, argenté, cerclé de lumières pulsantes, qui sont de couleur blanc passant au vert, et parfois avec des lumières bleues qui se mêlent à tout ça. Les témoins sont sidérés, inquiets, pas autant que les chiens qui hurlent à la mort, qui gémissent. Ça retentit dans tout le coin. Et au bout d'un moment, le vaisseau va commencer à s'élever lentement et se diriger tranquillement vers la zone du silence pour disparaître à l'horizon. Les personnes qui s'aventurent régulièrement dans cette zone du silence ne sont en général pas déçues. Parce que bon, il y a les lumières, les boules de feu qui manœuvrent dans le ciel, qui changent de couleur, qui stoppent avant de disparaître dans les lieux à vive allure ou derrière les collines. Deux fermiers vont témoigner un jour qu'en revenant d'une fête, ils aperçoivent soudain une lumière brillante qui descend du ciel. Ils ralentissent, stoppent pour mieux l'observer, voilà qu'elle s'approche. Et quand descendent des petits humanoïdes. Mais alors ceux-là, ils sont aussi brillants que le vaisseau. Lumineux. Mais voilà qu'ils se dirigent droit sur eux. Alors, les deux gars sont pris de panique. Ils vont déguerpir le plus vite possible sans demander leur reste. Très souvent, les personnes ont été témoins de ces apparitions nocturnes, reviennent sur les lieux de lendemain. Elles ne sont pas souvent déçues. Car souvent, il y a des traces qui sont matérielles. Des arbustes calcinés, du sable même qui a été calciné. Et puis, il y a une rumeur qui a été colportée par des ufologues plus ou moins sérieux peut-être, qui disent que dans cette zone du silence, il y aurait eu deux crashs de vaisseaux. On n'en sait pas plus, alors comme le gouvernement mexicain a toujours farouchement nié, peut-être est-ce de la légende. Et puis alors, il va se passer un truc pas possible sur la zone du silence. Durant l'été 70, l'armée américaine fait des tests, et notamment un tir expérimental avec une roquette, un missile en fait, qui s'appelle Athena, à ne pas confondre avec la fusée. Le missile va être tiré depuis la base de l'US Air Force qui se trouve dans l'Utah et qui est celle de Green River. Il est prévu qu'elle rejoigne un objectif bien défini qui est la base de White Sands, au Nouveau-Mexique. Mais les choses ne vont pas exactement se passer comme c'est prévu.
la trajectoire de la chose est évidemment suivie depuis le sol, mais également par des radars. Et c'est là que l'inimaginable arrive. Au moment de sa rentrée dans l'atmosphère, la roquette dévie soudainement, sans raison, et se dirige droit vers le Mexique. Certains prétendront ultérieurement qu'elle a été attirée par une force irrépressible, qui l'a téléguidée. Les contrôleurs, en voyant ça, veulent détruire la chose, hein. Ils annulent l'opération et on la programme pour qu'elle se détruise, elle s'autodétruise. C'est pas ce qui va se passer. Il va y avoir un phénomène étrange qui va se produire. Il y a des étages, effectivement, de ce missile qui vont se détruire, mais la tête, elle se détruit pas, au contraire. L'étage va s'auto-activer de lui-même. Et il y a une mise à feu qui va durer quelques secondes et qui va faire qu'elle va changer de cap pour viser un endroit bien précis. Donc voilà la fusée de 6 tonnes, partie désormais à 8 allures vers le Mexique, pour aller finir sa course, vous l'avez deviné où ? Bah oui, dans la zone de silence, planter le nez dans une dune. Donc évidemment, les Américains ne sont pas très heureux de tout ça. C'est la panique. Bon, il faut savoir que il y a une panique, pourquoi ? Parce que ce missile avait été en fait construit et testé pour tester en fait les conditions de rentrée atmosphérique de futures fusées et de futurs missiles balistiques intercontinentaux. Sauf qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette fusée Athéna, enfin dans ce missile Athéna. Il y avait une charge utile un peu particulière, plusieurs kilos de cobalt 57. Ça fait beaucoup et c'est très dangereux, le cobalt 57, parce que c'est l'irradiation assurée pour les populations. Donc, l'US Air Force réagit au quart de tour, prévient le gouvernement mexicain, fait décoller avec son autorisation une équipe de sauvetage qui part de White Sands pour se rendre sur le lieu du crash, aidé par des fermiers et des habitants locaux qui sont montés à cheval notamment pour mieux y voir. Eh bien, ils vont ratisser le terrain avec leur jeep et tout. Tout le monde s'agite et puis on ne retrouve rien. C'est finalement un avion de reconnaissance américain qui est bardé d'équipements technologiques, de pointes, de scanners et tout ce qu'on veut, qui va capter une radiation massive qui vient du sol et qui va retrouver la bestiole plantée dans sa dune près d'un lieu dénommé Cerro San Ignacio. Alors, le gouvernement mexicain prend très mal la chose, évidemment. Il va prier les Américains de faire le ménage, et un gros ménage, parce qu'il faut seulement, non seulement qu'ils enlèvent leur cochonnerie, mais qu'ils enlèvent, il a prié, le gouvernement a donné pour ordre aux Américains d'enlever tout le sable du cratère, mais également tout ce qui est autour. Travail titanesque s'il en est, mais qui va être fait, parce que il n'y a pas le choix. Sauf que peut-on transporter ce genre de déchets par camion ? Certainement pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Les Américains vont construire à toute vitesse une portion de route pour arriver jusqu'au site, une piste d'atterrissage, mais également une voie ferrée qui va rejoindre une voie ferrée principale. Et ceci en un temps record. Des tonnes de sable vont être chargées dans des fûts scellés et plombés et qui vont repartir par rail aux USA. On ne sait pas du tout ce que c'est devenu. Alors évidemment, les Américains vont faire une enquête pour savoir ce qui a bien pu se passer avec leur missile. Qu'est-ce qui a pu faire dévier cette roquette de sa trajectoire ? Est-ce un signal radio ? Eh bien, on ne saura jamais ce qui a pu se passer. Ça reste un grand mystère. Il n'y a pas que ça comme mystère dans la zone de silence. On fait de drôles de rencontres là-bas. En 1975, vous avez un couple qui se rend dans la zone du silence pour ramasser des fossiles et des pierres. Parce qu'il y en a pléthore là-bas et des choses très intéressantes. Ils sont à leur affaire. Quand tout à coup, ils s'aperçoivent qu'un gros nuage arrive, une grosse zone nuageuse arrive, ils savent ce que ça signifie, il va pleuvoir. Et dans le désert, il ne pleut pas souvent, mais alors quand il pleut, c'est torrentiel et on a intérêt à se mettre à l'abri vite fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne perdent pas de temps. Les voilà repartis au galop vers leur pick-up. Ils n'auront pas le temps d'atteindre leur véhicule qu'une avalanche de pluie s'abat sur eux et qu'en un rien de temps, eh bien, le sol est devenu un véritable marécage et quand ils arrivent devant leur véhicule, celui-ci est en train de couler tranquillement. C'est à ce moment-là qu'ils vont avoir une surprise. Surgit de nulle part, que voient-ils ? Deux êtres assez grands, vêtus de cirés jaunes comme des marins pêcheurs, qui est quand même plutôt incongru pour la région,
qui leur disent, oh, ben, on peut peut-être vous aider à sortir votre véhicule. Montez donc dans votre pick-up, nous, on va vous pousser à l'arrière. Ah, bon, ça va être une petite poussée et hop, le pick-up est sorti tout de suite sur la terre ferme. Ils n'en reviennent pas, le monsieur est très content, il descend du véhicule pour remercier ces braves gens, sauf qu'il ne va pas être déçu du voyage. Il n'y a personne. Personne. Personne à l'horizon. Pourtant, on y voit bien, c'est le désert, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Personne et pas de trace au sol, comme si ça n'avait jamais existé. Alors, ces gens-là, ils vont être quand même un peu surpris et troublés. En novembre 78, une drôle d'aventure qui ressemble un peu à ça va arriver à un journaliste mexicain qui s'appelle Luis Ramirez Reyes, qui fait partie d'une équipe de télévision. Et cette équipe de télévision veut faire un reportage sur la zone du silence. Et le journaliste décide de partir avec un photographe pour faire un repérage sur les lieux. Il a en fait l'idée de se rendre dans la réserve de Mapimi, la biosphère de Mapimi, dont je reparlerai plus tard, et où on étudie scientifiquement toutes les formes de vie de la région, et où il se dit que l'on mènerait là-bas des études, sur des recherches sur le psychisme. Un peu curieux. Enfin bon. Voilà que les deux hommes roulent tranquillement dans cette zone désertique. Ils arrivent à une intersection, prennent une route en n'étant pas très sûrs de là où ils vont. Un peu inquiets quand même, puisqu'ils n'ont plus vraiment de vivre, et surtout pas beaucoup d'eau, et que ce désert est très chaud. On ne part pas comme ça. Et ils sont en train de rouler et le journaliste se dit qu'il faudrait bien qu'on sache où on est. Ils ne savent pas où ils sont. C'est alors que par miracle apparaissent sur le bord de la route trois hommes. Alors évidemment, Luis Ramirez Reyes, le journaliste, demande à son photographe qui est en train de conduire le véhicule de s'arrêter. Et à sa grande surprise, pas du tout, il ne s'arrête pas, il continue. Et il lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques ?» Et là, le photographe lui dit « Mais il n'y a personne, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et le journaliste découvre ainsi que lui seul a vu les trois individus. Voilà qui est un peu fort, il s'inquiète, il se demande s'il ne commence pas à avoir les mirages du désert, les hallucinations qu'on peut avoir là-bas. Ils poursuivent leur route pendant un moment, tout en se demandant bien où ils sont. Et c'est alors qu'à leur grande surprise, ou plutôt à la grande surprise du journaliste, voilà qu'il revoit les trois individus qu'il a vus un bon moment avant, mais alors bien plus loin. Complètement sidéré, alors il dit au photographe de s'arrêter, il lui hurle cette fois, maintenant tu t'arrêtes, je te dis de t'arrêter, tu t'arrêtes. Le photographe ne voit rien, mais il stoppe. Ramirez va aller à la rencontre des individus, va leur demander si par hasard il ne les aurait pas vus passer un moment plus tôt. Il se dit qu'il a peut-être tourné en rond. Les individus disent que non, ils n'ont pas du tout vu passer leur voiture. Les hommes vont lui indiquer le chemin de la biosphère de Mapimi et préciser qu'ils sont à la recherche de leurs animaux qui se sont égarés. Ramirez a un sérieux doute. D'abord parce qu'il n'y a pas d'animaux dans le coin. Puis surtout que les trois hommes, qui ressemblent et qui sont habillés comme des paysans locaux, n'ont aucun équipement avec eux et surtout pas d'eau. Et se balader au milieu du désert sans une goutte d'eau, c'est franchement dangereux. On ne survit pas. En tout cas, dès qu'il va arriver à la biosphère, enfin, il va tomber sur un scientifique qui s'appelle Harry de la Pena, à qui il va parler de son histoire. L'autre ne va pas en croire un mot, c'est pas possible. Dans la zone où tu étais, il n'y a personne qui se balade, surtout à pied. C'est hyper dangereux, on n'en revient pas. Curieux quand même. Dans la nuit du 27 décembre 1978, vous avez un groupe de personnes qui campent dans la zone du silence. Comme c'est un peu curieux, bah, par précaution, l'un d'entre eux va monter la garde. Puis vers 2h du matin, eh bien, il a une petite envie de pipi, un petit besoin naturel qui le taraude, donc il décide d'aller faire sa petite affaire derrière des véhicules qui sont garés à proximité du campement. Là, il ne va pas être déçu, parce qu'il va se retrouver ni avec une personne toute petite sortie de nulle part, pas plus d'un mètre. Hein. Alors, il pense que c'est un enfant qui s'est perdu. Et il va se lui demander ce qu'il fait là quand il s'aperçoit que ce n'est pas du tout un enfant. C'est un petit homme qu'il a dans la lueur de sa torche, parfaitement humain, mais il a les traits asiatiques, il est vêtu d'une petite combinaison argentée, il va lui demander de le suivre. Alors, on ne sait pas la suite s'il l'a fait ou pas, mais en tout cas, ce qu'il montrera à l'ufologue qui a enquêté, parce qu'un ufologue a enquêté sur ce cas, c'est un petit cube de métal brillant qu'il a conservé avec lui et que l'autre lui a donné.
Il va y avoir une autre affaire, un autre cas qui va être rapporté, qui s'est passé en octobre 78. Un certain Ruben Lopez roule sur une piste chaotique au milieu de la zone du silence, au volant de sa fourgonnette pour se rendre chez un parent qui habite à Ceballos, l'endroit où tout arrive. Quand soudain, son moteur se met à tousser. Et le gars est inquiet parce qu'il a fait sa révision il n'y a pas longtemps. Il se dit « qu'est-ce qui se passe ?» C'est alors qu'il aperçoit, posté à une trentaine de mètres de lui, 5 individus sur le bord de la route. Ils sont tout petits. Ils pensent que c'est des enfants encore. Mais quand il arrive à leur hauteur, il constate que ce n'est pas ça du tout. Ils ont des petites combinaisons moulantes de couleur argentée. Leurs têtes sont couvertes de casques, comme ceux des footballeurs américains, vous savez. Et puis, ils voient quand même le visage. Et le visage est parfaitement humain. Mais ce sont des visages d'adultes. Le moteur de la fourgonnette finit par caler. Et puis, il fait des efforts désespérés pour redémarrer ça. Il y arrive. Et là, il va voir les petits êtres partir en courant dans l'obscurité, s'éparpiller. Il va reprendre la route et son moteur fonctionnera tout à fait normalement. Donc, il s'en passe des choses dans la zone du silence. On pourra en parler des heures. Alors, la zone du silence, elle a aussi une particularité, je terminerai là-dessus. C'est qu'il y a là-bas une faune et une flore mutante absolument exceptionnelles. Et c'est absolument incompréhensible, parce que ça touche les espèces animales et de végétaux. Alors, pour ce qui concerne les animaux, on a observé une mutation des reptiles. Alors, des reptiles, il y a au moins 36 espèces qui vivent dans ce désert. Mutation des reptiles en tout genre, aussi bien des serpents que des lézards. Il va y avoir une tortue aussi qui est unique au monde. Sa carapace présente des dessins en forme de triangle. Et on l'appelle la tortue de Bolson. Et elle a des yeux, des écailles donc particulières, mais également des yeux qui sont tout jaunes et qui sont des filtres absolument adaptés comme si elles avaient des lunettes de soleil pour ne pas prendre les radiations du soleil, les radiations UV. Elles sont totalement protégées par une protection naturelle qui est de couleur jaune. 28 espèces de mammifères aussi, des lièvres, des coyotes et des rats mutants. Ce sont des espèces totalement spécifiques et uniques de la région. On y trouve une sorte de puma oncolore qui est unique, un cerf mulet, également un kit renard qui est une espèce de renard du désert mais tout à fait unique, 200 espèces d'oiseaux. Puis il va y avoir un truc aussi qui est bizarre avec les animaux là-bas. C'est qu'on a repéré qu'à plusieurs reprises, des vaches ont disparu des troupeaux, des vieilles vaches ou des vaches blessées. Elles se sont rendues à un endroit précis qui est comme un cimetière des éléphants pour aller y mourir et on ne sait pas pourquoi, avec les vaches qui font ça. Les espèces végétales répertoriées sont nombreuses également. Il y en a 409, avec des sortes de cactus tout à fait particuliers, des petits arbustes aussi particuliers. On y trouve des mesquites, des candélias et des yuccas qui croissent de façon peu commune et dans des conditions particulièrement exécrables. Alors, la biosphère de Mapimi est quand même un endroit à visiter parce que pour sa faune et sa flore, c'est quand même exceptionnel. Elle a été créée, je le préciserai, à l'initiative de l'UNESCO. C'est une biosphère écologique et dans le but de conserver les espèces avec l'idée d'un développement économique et humain durable en parallèle avec une activité de recherche scientifique. Donc, c'est un très bel endroit, même s'il s'y passe des choses extraordinaires. Donc, si un jour vous allez au Mexique, n'hésitez pas, foncez sur le Chihuahua. Vous ne serez pas déçus car il y a de tout. Il y a même des histoires de fantômes absolument ahurissants. Ça sera peut-être pour une autre fois. Enfin bon, voilà en gros ce que c'est que l'état du Chihuahua et ce qui s'y passe. Effectivement, il y a de quoi faire. Bien, écoute, Elisabeth, vraiment merci pour cette magnifique histoire. Je suis sûr que très peu de personnes connaissaient cette région du Chihuahua. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'en entendais parler. Même si, effectivement, on sait qu'au Mexique, il se passe plein de choses. Voilà, mais encore une occasion d'aller là-bas. Et puis, on va se retrouver le mois prochain pour une émission plus courte. Celle-ci était exceptionnelle parce que c'était pour fêter cette nouvelle année. Et donc on repartira après sur des petites histoires extraordinaires. Celle-ci était une grande histoire extraordinaire pour fêter 2018. Et voilà, autant commencer bien, hein. Mais je vous en raconterai une petite la prochaine fois qui sera pas mal. J'ai déjà mon idée sur le sujet. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et merci de m'avoir revu. Écoute, c'est avec un grand plaisir. Et merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt sur Miasma TV. Allez, ciao, ciao.